Aujourd'hui, Nico a décidé de faire de l'entretien sur le camion. Ouais. Bah, je pense pas qu'il faut. Et donc, en fait, c'est parce qu'on attend des voyageurs. Qu'on a croisés. Oui. Du coup, ils viennent nous retrouver. C'est ça. Laissez-moi nous présenter. Nous, c'est Cécile et Nico. Oui, je suis cette nana pleine d'énergie. Et Nico, c'est le gars qui a toujours un sourire en coin. On est là pour secouer le game du voyage, et pas n'importe où. Non, nous visons le grand, l'audacieux, l'épique, l'Afrique. C'est le début d'un voyage palpitant, qui ne fait que commencer. On ne sait pas où Max nous emmènera, mais une chose est sûre, on réalise notre rêve. Bienvenue en direct de notre départ. Et donc, pourquoi j'appelais ça un coffre-fort ? C'est une bonne question, hein ? Pourquoi j'appelle ça des coffres-forts, les campings, où on t'oblige à venir t'enfermer? Alors, coffre-fort ou... parce que sécurisé, ou prison. On peut imaginer la tour pour surveiller celui qui arrive au loin. Problème immigré, paraîtrait-il. Je sais pas. Danger, je sais pas non plus. C'est le problème d'avoir un esprit d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas été dérangé. Hein. On s'est toujours senti en sécurité. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. On est tout seul. On a eu 2-3 tantes qui sont venues dormir. Voilà. Pourtant des gens en pick-up qui font les pistes autour, hein, sûr. Mais les pistes, enfin, on voit très loin, c'est très dégagé. Du coup, les militaires nous voient vite, très vite, et viennent nous dégager. Donc on arrive très tard sur les terrains, comme ça, dans la nuit. C'est charmant. Et bref. Donc clairement, c'est pas ce qu'on imagine dans road trip et de ce mode de vie qui est de passer donc de camping en camping. C'est pas vraiment le but. Enfin, pour moi, je vois pas vraiment la vie comme ça. Mais bon. Voilà, garde. Oh, garde. Garde, mais le garde, il est pas là. Il est resté de son côté. Mais pas là non plus. Tu veux que j'ouvre? Oh putain. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? Eh oui, je suis la reine des bruits. C'est quoi le bruit là, Locke?
Bon, allez, c'est parti. Go, on reprend la route. C'est bien. En plus, j'ai fait tout un truc. Du coup, ça fait plein de coupages à l'intérieur qui passent plus de temps dans ton montage vidéo. Voilà. Et donc aujourd'hui, Nico a décidé de faire de l'entretien sur le camion. Ouais. Bah, pour ce temps, il faut. Et donc, en fait, c'est parce qu'on attend des voyageurs. Qu'on a croisés. Oui. Ouais. Et donc, on les a rencontrés avant-hier. On était à la même quête. Hein. On cherchait du cash. Pas facile à trouver, des fois. Voilà. Et donc, du coup, en coïncidence, on a rencontré quelqu'un qui parlait français. Wow ! Donc, évidemment, on a discuté. On a échangé nos numéros. Et puis, du coup, ils viennent nous retrouver. C'est une famille qui, eux, voyagent dans un bus. Voilà. Et qui ont envie de faire plage aujourd'hui. Donc, ils viennent nous retrouver. Et du coup, on les attend. Et du coup, Nico ne veut pas rester à rien faire. Bah non, il faut utiliser son temps, quoi. Voilà. Hein. Donc aujourd'hui, c'est entretien. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait impérativement le refaire parce qu'on a à nouveau le bruit qui revient. Donc, je pense que c'est vraiment mon histoire de rotule qui fait ce bruit-là, parce que dès qu'elle est mal graissée, en fait, qu'il y a un manque de graisse à un moment donné, bah, le bruit de claquement revient, donc bah, on va circuler. Parce qu'on n'a toujours pas résolu notre problème de rotule, étant donné qu'on n'a toujours pas trouvé la barre. Peut-être qu'au Sénégal, on arrivera peut-être à la trouver. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et c'est vrai qu'avec le sable, bon, après, on a fait quand même pas mal de kilomètres depuis. Ouais. Donc, ouais, il faut régresser. On a fait pas mal de kilomètres, on a fait de la piste, on s'est mangé du sable. Enfin, voilà, quoi, je veux dire, là, je pense qu'il est temps de refaire le tour. Surtout que là, ça serait intéressant que tu regardes quand même si on a à nouveau une nouvelle casse. Ouais, je vais regarder, ouais. Même si c'est dur à trouver, en fait, les casses. Et c'est beaucoup plus facile de réussir à détecter et de réussir à voir les casses quand le camion, il est au-dessus d'une fosse. Ouais, sur une fosse, vous êtes vraiment dessous le camion, là. Quand vous êtes allongé sous le camion, c'est quand même moins facile. Vous ne vous tordez pas dans tous les sens, hein. C'est pas si simple que ça, alors que dans une fosse, bah, y a rien qui vous gêne, en fait. T'es debout, t'as juste à lever la tête. Ouais, voilà. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est comme ça qu'on a trouvé, donc, Notre dernière casse. Hein. La dernière casse sur la traverse de châssis. Du coup, qu'on a fait réparer. Bah, voilà. La petite traverse, là. Qui a coupé dans le châssis. Donc, on est en train de la faire renforcer. Mais pour ça, il faut qu'il démonte la traverse. Parce que, ils vont faire un truc propre. Ils remoulent carrément une tôle pour renforcer la traverse. Mais vraiment, la tôle remoulée, en fait, à la forme de la traverse. Histoire de donner plus d'épaisseur. Donc, ça sera pas mal. Un problème avec une autre réparation qui a été faite précédemment, parce qu'on a pris une piste et on a reçu un caillou qui a pété un tuyau d'air à l'arrière. Voilà. Ouais. Mais du coup, il a mis des colliers, en fait. C'est deux petits tuyaux de chaque côté, un tout petit tuyau de chaque côté qui relie avec un autre tuyau qui rentre à l'intérieur. Et ce tuyau, en fait, a été fixé de chaque côté avec des colliers. Je suis pas sûr qu'au contrôle technique ça puisse passer quand on va rentrer. Après, Nico est en prévision 2, hein, du contrôle technique, mais on rentre pas de tout. Hein. Mais je préfère que les choses fassent nickel, en fait, pour le contrôle technique, parce que je suis sûr que le jour où on va y repasser, il n'y aura pas de souci. Parce que si j'attends comme ça, que je laisse faire les problèmes sur le camion, du coup, quand on va arriver en France, il va y avoir une tonne à faire. Et... Voilà, donc j'anticipe les choses. Puis après, quand on rentrera, ça sera pour quoi partir ? Ah bah complètement. Après, c'est vrai que les pistes fatiguent énormément le camion. Et pourtant, on en a une belle encore à faire. Et encore, on en a une à faire.
Donc il est important de vérifier l'état du camion régulièrement, très régulièrement. Dès une sortie de piste, il faut faire un tour du camion. Ouais, voilà. Parce que à chaque fois, on a des surprises. Comme là, t'as dû retoucher notre faux châssis. Faux châssis qui avait fondu. On a le faux châssis là qui avait commencé à se fendre. Du coup. Et comme on l'a pas fait aussitôt. Voilà, du coup, ça a traîné. Du coup, ça a continué à se fendre. Et ce. Ouais, après, on avait un trou. Des deux côtés, pour le coup, voilà. Donc, là, je l'ai ressoudé comme ça, mais on le refera quand on sera rentré en France correctement. Là, c'est histoire que ça tienne sur le périple, et puis on verra ça plus tard. Voilà. Mais voilà, ça, c'est les aléas de la piste, en fait.
créer ce genre de choses que tu t'attends pas vraiment. On a eu ça, qu'est-ce qu'on a eu comme casse? Les fixations du coffre, que du coup j'étais obligé de ressouder aussi. Parce que les fixations avaient pété. Voilà, il y a tellement de vibrations en fait au niveau du coffre. Non, c'était pas celle-là qui avait pété, c'est là. Si, celle-ci. Ah, c'est là, celle-ci, ouais. Et l'autre, bah, t'es juste derrière là, tout le tas de fils, en fait, bah, c'est pareil, il avait pété. Enfin, il commençait à se fissurer. Celle-ci avait vraiment pété, et du coup. Voilà, donc ce qui est important, c'est vraiment avant d'avoir une grosse casse. On s'en est rendu compte tout bêtement, c'est qu'on n'arrivait plus trop à fermer correctement le coffre. Et du coup, on a commencé à regarder c'était quoi le problème, et voilà, il a découvert ça. Ouais, donc très important à chaque sortie de piste de faire le tour du camion, parce que nous, à chaque fois, on a des découvertes sympathiques. Ouais. On a eu ce coffre aussi qui commençait à tomber. Ouais, il est fixé sous les vis, en fait, qui commençait à s'arracher du coffre. Parce que sur une piste, quand même, surtout les pistes Maroc. Tout comme de la tour ondulée, ça secoue même quand même énormément le camion. Et bon, celui-ci commençait à descendre, il y avait une vis placée au travers du coffre. Voilà. Et on a eu un tuyau aussi. Alors, on a eu un tuyau de frein. Ouais, on est arrivé, je sais plus où, on s'est arrêté dans un camping. J'avais plus de frein du tout. Dès que j'avais appuyé sur la pédale, en fait, toute l'air s'échappait. J'avais une grosse fuite d'air, on l'entendait même quand on appuyait sur le frein. Et en fait, c'est un petit tuyau qui allait au pommeau de frein arrière, qui a dû prendre une pierre sûrement, et du coup, le tuyau a pété. Il y avait un trou dans le tuyau. Il y avait un trou dans le tuyau, ouais. Donc, bon, une chance, sur le camping, un garagiste, un mécano est venu le changer. On a pu repartir. Oui. Bah, tout simplement, en fait, on a demandé au mécano d'en arrivant sur place, comme s'il connaissait pas un mécano, parce qu'on avait un souci. Et il nous a envoyé un mec, et voilà. Et le mec a regardé, il a découvert, en fait, le tuyau en question qui causait le bruit bizarre qu'on avait dans le camion. Voilà. Et pourquoi on n'avait plus de frein. Et du coup, il nous l'a changé dans la journée. Mmh. Et voilà. Bon, après, c'est pareil, là, on a quand même pas mal roulé côté mer, en fait, du Sahara. Surtout le long de ce qui représente à peu près 1200 km, je pense, de plage qu'on a fait, en fait. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a une aire assez saline sur le bord de plage. Et le camion est en train de rouiller, mais alors, à une vitesse impressionnante. Je pense que quand on va remonter, il y a un moment donné, on sera obligé de faire une voiture, de protéger tout ça. Parce que je ne pensais pas que le soir, en fait, par la nuit, il y a une espèce d'humidité. Une humidité dans le désert qui est hyper saline, en fait, et qui vous fait rouiller le métal à une vitesse extraordinaire. Et pourtant, le camion a été protégé contre la rouille. J'avais refait le châssis pour être tranquille de ce côté-là. Et ben, alors, au niveau châssis, ça va, c'est plus ce qui est autour. Même avec de l'anti-rouille, ça suffit pas. L'autre jour, je t'entendais parler avec Marc, j'ai pas compris ce que vous étiez en train de vous raconter, enfin, j'écoutais pas trop. Vous parliez que Justin est avec son. Oui, Justin a eu la même traverse que nous, Capitaine. Oui, mais il parlait aussi de son coffre là qui avait. Le niveau du réservoir. Ouais. Et nous, on l'avait utilisé sur quoi? Sur notre coffre là? On a et ça tombait pas? Ouais, bah, en fait, ce qui a pété de l'autre côté, c'est le même principe de fixation que le réservoir du système. D'accord. Alors, au niveau de l'angle de fixation. Il est fait exactement comme le réservoir de Justin qui lui a pété. Et donc moi j'ai le même problème en fait, mais avec mon coffre. Donc comme quoi ces fixations sur la tôle ondulée, sur la piste, c'est à revoir. Ok. Bon, et c'est comme ça que le cucu il est tombé. Ouais. Mais nous on n'a pas remonté le cucu. Enfin, pour vous dire quand même à quel point ça roule très très vite. La partie potence là, c'est pour ceux qui nous suivent dans les vidéos, on l'avait fait dans le désert
Merzouga. À Merzouga, on l'avait complètement repeint avec de l'anti-rouille. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas. Moi aussi, ça a l'air. Et il y a de ça à peu près un mois et demi maintenant. Non, plus que ça. Deux mois. Janvier, ouais, plus de deux mois. Plus de deux mois, bon, allez, plus de deux mois. Et du coup, le fait d'être passé en fait dans la partie du Sahara bord de mer, quoi, en fait, avec cette terre super saline, en fait, et ben, du coup, voilà, ça crée ce genre de problème où même avec une peinture anti-rouille, ça suffit pas. Alors, c'est pareil. Est-ce que c'est vraiment de la peinture anti-rouille? Là, j'ai acheté pour ça et c'était écrit dessus, donc je sais pas. Voilà. Bon, après, au niveau châssis, tout ce qui avait été refait n'a pas rouillé. Tu vas t'y jeter? Ouais, voilà. Et puis, il y a la traverse aussi qu'on avait fait, ressouder. Voilà. Et renforcer. Visiblement, pareil, Justin avait le même casse sur sa traverse. Je pense que c'est une fragilité du camion à cet endroit-là quand on fait de la piste. C'est une des traverses, en fait, c'est la première traverse, juste après le moteur, qui est beaucoup plus fine et la tôle est aussi plus fine que le reste, en fait, beaucoup plus fragile. Et du coup, cette traverse, quand on prend vraiment des bosses, des trous, sur la longueur, en fait, ça finit par péter. Mais coup de bol, je réfléchis parce que t'as eu l'idée de te servir de ce truc-là pour le cul du camion, pour faire le coffre, pour descendre les roues du camion et la moto. Mais t'aurais eu la même idée, lui, du coup, tu l'as installé comment? Lui, c'est les fixations d'origine du réservoir. Quand j'ai acheté le réservoir, il y avait les fixations avec. Donc ça, c'est les fixations qui sont faites pour le réservoir. C'est pas une fabrication, c'est vraiment la fixation du réservoir. Ok, non, mais c'est très bien. Une chance. Voilà. Parce que sinon, on aurait une fixation, une fixation qui a été étudiée pour ce réservoir. Mais non, je suis très content, il bouge pas. Pour le moment. Ouais, bah, on va espérer que ça continue comme ça. Voilà. Parce que bon. Non, mais. Voilà, bon, allez, je vais me mettre sur l'entretien. Aujourd'hui, ça va être graissage de tous les croisillons, de tous les petits graisseurs, en fait, qui sont sous le camion. Voilà. Donc maintenant, on va se mettre à quatre pattes. Ça, on est sous le camion avec ton tapis. Mon tapis. Et puis, j'ai c'est l'heure de la prière. J'ai une pompe à graisse, heureusement, qui m'aide beaucoup, qui est une pompe à graisse électrique. C'est vraiment l'outil idéal. Parce que au début, je l'ai fait à la main et franchement, c'est hyper galère. Ça, c'était la vidéo entretien. Et des galères. Et des galères. On peut rencontrer. Ouais. Et puis, il y en a quand même quelques-unes, hein, parce que
Oui, mais dans l'ensemble, enfin, c'est des petites casses jusqu'à présent. Oui, c'est que les petites bricoles. Qui nous arrêtent pas sur, qui nous empêchent pas de rouler. Mmh. Parce que même si la traverse était cassée, bon, oui, il fallait la réparer, mais on n'est pas resté tanké comme des cons. Ouais, non, mais t'es pas arrêté pour autant. Voilà, tu t'arrêtes on s'est arrêté une après-midi, ils ont réparé, on est reparti. Le tuyau, c'est bon, le tuyau, ça devenait compliqué, mais... Ouais, mais ça s'est fait... Mais on a réussi quand même à... On s'est posé le soir dans un camping. Le lendemain matin, il est venu dans le camping, il l'a réparé, on est reparti. Oui. Je veux dire, ça nous a pas stoppé pendant une semaine, jusqu'à présent. Non, puis enfin, quand t'as une casse, c'est que ça t'arrête. Bon, si, par contre, là, ça nous a arrêté. Oui, là, le coffre du camion à l'arrière, aussitôt. Oui. Là, c'était plus compliqué, mais bon, là, c'était mais vraiment c'était la seule grosse galère. Oui. Heureusement. Oui. On n'est pas en train d'en avoir d'autres. Pourvu que ça reste comme ça, quoi. Enfin... Par rapport au moment, le camion va bien. Je oui. Il va très très bien. Après, tu regardes quand même énormément, tu essayes d'anticiper ton entretien pour justement qu'il aille bien. Bah, c'est pour ça qu'on avait fait faire d'ailleurs, on n'en a pas parlé au niveau de l'entretien, mais on avait fait faire quand même toute la vidange des ponts. Donc que ce soit pont arrière, pont avant, boîte de vitesse, boîte de transfert, les réducteurs. Voilà, on a tout fait faire donc dans un garage Scania. Bon, nous voilà chez Scania. Pour faire des vidanges de ponts et je sais plus quoi d'autre. Et non, c'est pas pour du pétaclic, hein. C'est de l'entretien de camion. Voilà, tout simplement. Ça fait partie du voyage. Et donc au fur et à mesure des kilomètres, eh ben Nico révise le camion et entretient toujours le camion. Parce que c'est important de l'entretenir, hein. Sinon. C'est un gage pour nos futurs kilomètres. Donc, je crois qu'en plus, on ne les avait jamais fait sur le camion. Donc voilà. On fait toujours un peu plus. Pour le maintenir en forme et en bonne santé. Notre camion. Parce que, bah oui, on l'aime. Hein. Mais... Voilà. Donc c'est une preuve d'amour qu'on lui donne et j'espère qu'il nous récompensera et qu'il nous offrira encore beaucoup de kilomètres, beaucoup de routes, beaucoup de voyages, beaucoup de pays. C'est le but. Oui. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a appris qu'il fallait qu'on fasse plus souvent notre boîte de vitesse. Ouais, visiblement, à chaque fois qu'on fait une vidange, il est conseillé, enfin le garage de Scania est conseillé de faire. Une vidange à chaque fois aussi de la boîte de vitesse. Après, on a peu d'images parce qu'ils n'avaient pas envie d'être filmés. Non, ils ne voulaient pas être filmés. Même bon, s'ils sont très professionnels en attendant. Hyper professionnels. On est tombé sur un mécano. Au top. Très intéressant. C'est vrai. Un garage, bon, on peut le dire, un garage de Scania à La Youn. Quelqu'un de. Oui, non, en pro. Ah ouais, non, vraiment très bien. Franchement, et puis qui était dans l'échange et qui était pas radin de conseil. Et tout à fait, c'est ce que j'allais dire, il était surtout dans le conseil. Donc, bon, c'était bien. Une belle rencontre. Ouais, ouais bah, il nous a même aidé pour plein de trucs pour trouver. Enfin, voilà, si toutefois vous voyagez, vous passez par La Youn, vous voulez faire une vidange sur le camion, arrêtez-vous. D'autres choses. Bon, ils sont plus spécialisés dans les vidanges. Hein, bref. Après, ils sont plus Scania, donc il nous l'a dit. Hein. S'il y a vraiment de la grosse mécanique, c'est pas là qu'il faut aller. Quoi. Pour une vidange, ça va, mais ils sont plus vraiment spécialisés. Ça donne envie d'acheter un Scania. Mais par contre, ils donnent envie d'acheter un Scania. Ouais. Parce qu'après, il est dans la comparaison des deux et il explique que non, c'est intéressant. Bon, voilà, bah, c'était la vidéo sur l'entretien. On vous dit à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager. Likez la vidéo. Allez, à la semaine prochaine.